dragon non plus. Moi je connais le boss final, c'est pas le dragon. A priori. Au tab dragon vit dans l'endroit le plus reculé de cette planète, au sommet d'un volcan entouré d'immenses flammes. S'y rendre n'y sera pas de tour pot, mais je suis sûr que tu vas t'en sortir. Va donc réduire ce dragon en miettes. Allez, let's go. Oh, c'est plutôt Pokémon Dragon Glace que t'avais dans ta team sur Violet. Ah, je trouve qu'on aurait plus d'Ikyog. Hein. Perso, mais après, pour les couleurs, machin et tout. Niveau 7, terrain tonitruant. C'est parti! Glévodo, ouais, je sais pas, je trouve pas non plus. Ah là, c'est stylé quand même, visuellement. Vous êtes au courant que je peux faire ça? Je suis désolé, mais. Ah. Peut-être pas non plus totalement, mais. En grosse partie, faire ça, quoi. Frérot, vraiment? Ok. Généralement, dans la première zone, t'as pas forcément des trucs. Hein. C'est souvent après que ça arrive. C'était prévu ça? Ah! Ok, encore. Encore, la clé. Merde, je l'avais pas vu. Ok, le premier il est là. Premier ou deuxième, on va vite voir. Premier, donc j'ai bien fait de rush la première zone. Tidou. Oh putain, avec un canon au-dessus. C'est une blague. Quel enfer. T'es un très bon influenceur, je voulais pas l'acheter, je l'ai acheté. Yeah! Non, je peux pas aspirer les boules de canon, j'essaye depuis tout à l'heure. Putain. Lui, c'est Sharpedo. C'est ça. Let's go! On slide sur la glace. Faut avoir de l'eau dans le volcan, ça va être OP. Un peu, ouais. Mais... Ah oui, d'accord, c'est vraiment... faut pas que je croise le truc, quoi. C'est très... Dès qu'un côté de moi touche, ça fait mal, hein. Fumier, j'étais à ça. Ah, tu me diras, j'ai la save de sortie de zone. J'étais en mode c'est bon, vas-y, je vais passer, je vais toucher le truc. Quel fumier! La fin, c'est ça. Mince, bon tant pis.
Ah, je l'avais pas vu. Faut que je regarde en dessous. Putain, c'est incroyable! Ah, je peux pas là. Eh oui, parce que si. Ah, si, c'est bon. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Fallait pas activer le dernier, j'ai la mort. Je me suis fait avoir. La dernière fois, je m'étais pas fait avoir. Là, je me suis fait avoir cette fois. Tant pis. Non, c'est pas une question de rapidité du tout. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'il y a un interrupteur qui est piégé. Et du coup, il y est plus. RIP, c'est pas grave. Il y a un interrupteur qui est piégé. C'est pas une histoire de rapidité. Tout à l'heure on a eu la même chose et j'ai pas appuyé dessus, du coup on avait réussi, mais là j'ai appuyé dessus. Hop. Alors voyons voir. Attention. C'est tellement le bordel qu'on voit pas forcément. Ah. Putain, ça fait deux fois, on voit rien. Alors. Les piliers qui descendent. Oui, mais je sais bien. Mais tu les vois pas sur le moment, c'est tellement le bordel à l'écran que tu les vois pas. Non, là, alors là, par contre... Alors là, vous déconnez. Alors là, vous déconnez. Là, on l'avait vu, là. Là, on l'avait vu. En bas, je suis mort la première fois. Un autre endroit plus bas. Ah oui, il y a là aussi. Exact. Ok. Ok, bon. Je trouve le jeu moins bien que le premier. Après, je pense que le développeur a pas eu le temps de faire avec la 3D comme le premier. Ah ouais?
Bah t'es le premier, alors c'est intéressant, hein. T'es le premier avis dans ce sens. Pour le coup, tous les gens depuis ce matin qui passent nous disent incroyable. Genre trop bien et tout. Donc en vrai, je pense que ça dépend des gens. On est vraiment en train de prendre tarif dans cette histoire là. Ouh. Je l'aime bien, mais je trouve le premier était un banger. L'avantage avec lui, c'est que si j'ai bien compris, on peut jouer jusqu'à 4. C'est ça. Exactement. Ah oui, ça c'était pas le cas dans le premier. Ah bah tu vois, ça je savais même pas. Donc là c'est full descente. Ok. Merde. C'est quoi ça? Ah oui, ça. Ah, ça pourrait être pas mal, ça. Encore faut-il que je vois comment ça marche. Oh, il est pas long, hein, le jeu. C'est normal qu'on soit déjà à la fin. Il est pas long. De toute façon, c'est ce qu'on avait dit hier. Hein. Enfin, on avait dit hier, aujourd'hui on fait Kirby, comme ça, samedi on terminera. On terminera, comment il s'appelle, Metroid. Enfin, tout était déjà plus ou moins prévu. Hein. Merde, c'était pas ce côté. Mais c'est pas speedrun, le vert. La durée de vie du jeu, c'est 6 heures. Et nous, ça fait déjà 6 heures. Et on n'a pas terminé. Donc, vraiment, en toi compte, on n'est pas, on n'est même pas rapide, hein, au contraire. Hein. C'est-à-dire que, littéralement, on est même plutôt lent, en fait. Hein. Bref, par rapport à la moyenne des joueurs. Hein. Donc, en vrai, il est pas si... Enfin, on est vraiment totalement dans la normale, hein. C'est pas un jeu qui est très long, on avait dit. Aïe. Je compte faire la queue comme tu fais déjà sur PS5 et ces autres jeux. Bah moi j'adorerais, mais quand j'en fais, vous regardez pas. Ça vous intéresse pas du tout. Malheureusement. Donc moi j'aimerais beaucoup, mais quand j'ai tenté, ça fait partie des vidéos qui ont le moins marché sur ma chaîne ces derniers mois. Donc en vrai, compliqué. Si un jour, le sujet venait à vous intéresser, alors là, évidemment... Ok. Ok. Après, c'est aussi car ta chaîne n'est pas assez orientée sur ça au départ. Pas du tout. Au contraire. Ma chaîne, au départ, elle est orientée full multigaming. Hein. Je vous rappelle que, à part Zelda, mes let's play qui ont le mieux marché, c'est The Last of Us, c'est Beyond Two Souls, c'est Resident Evil 7, c'est Outlast. Pas du tout. Hein. C'est sur les dernières années où mon public s'est beaucoup recentré sur Nintendo. Mais au départ, ma chaîne, elle est absolument pas...
Je parle des vidéos actu. Bah même pas, parce que tu reprends les toutes premières vidéos actu qu'on a fait il y a... Qu'on a fait, c'était en 2019. Et bah c'était... on parlait de tout. On parlait de tout. Donc en vrai même pas. Mais il y a un intérêt de mon public plus pour ça, c'est comme ça. C'est pas grave, hein. Et donc moi j'aimerais bien, mais... Après, je vais pas forcément empêcher de le faire sur certains trucs, tu vois, de la même manière, je vais pas empêcher de vous live certains jeux et tout. Mais merde. Je peux pas ? Ok. Ok. Non, je suis mort. Ok. Après 6 heures, c'est pour l'histoire principale, hein. Honnêtement, c'est ok, hein, je trouve. Hein. Parce qu'après, derrière, le 100%, c'est beaucoup plus longtemps. C'est au moins le double de ce qu'on voyait sur le Long to Beat. Et il y a tous les défis qu'ils ont ramenés et tout. En vrai, je pense que tu tires facile sur 25-30 heures avec ce jeu, en vrai. On sait qu'il y aura moins que Kirby le Monde Oublié aura une suite, ouais, je pense. Il y a moyen... Enfin, une suite, non, mais un truc dans le même style, ouais. Je pense. Ok, tâche 3. Let's go. Merci Mokona Shonen. Comment vas-tu? J'ai acheté le jeu aujourd'hui aussi, j'ai commencé, ça a l'air d'être une super aventure. Merci beaucoup. Je suis mort. Je regardais qu'à moitié. Merci beaucoup pour les 14 mois. A ton avis, qu'est-ce qui expliquerait cette orientation de goût de la part des viewers de la Breath of the Wild qui t'a entre guillemets collé une étiquette? Non, pas spécialement. Non, en fait, il n'y a pas d'étiquette qui a été collée. C'est juste que Breath of the Wild a été tellement au-dessus du lot en termes de stats que en fait, c'est devenu... Comment expliquer? En fait, Breath of the Wild a été tellement puissant que c'est pas que les autres trucs vous intéressent moins... Enfin, c'est pas que les autres trucs vous intéressent plus. C'est que ça ne vous intéresse pas comme ça a intéressé Breath of the Wild. Et ça, à une période où la chaîne allait très bien, machin et tout, why not, tu vois? Mais dans une période où ça fait 13 ans que t'es là, tu regardes tous les youtubeurs de ta génération, ils ont soit arrêté, soit ils peuvent quasi plus en vivre, soit genre, tu vois, c'est vraiment galère. Bah, faut faire gaffe, tu vois, je fais plus les stats d'avant, donc en vrai, faut faire gaffe et j'essaie de prioriser aussi ce qui marche, tu vois. Et la chaîne ferait, je sais pas, je te dis n'importe quoi, 100 fois plus de vues, tu vois, au lieu de faire 50K par vidéo, elle en ferait 500. Bon bah si je te fais une vidéo actu qui elle en fait 100, c'est pas un problème. Sauf qu'aujourd'hui une vidéo d'actu, si elle en fait pas une vidéo d'actu, c'est pas 100 par exemple, ça va être 10. Et là tout de suite ça pose un problème, tu vois. C'est plus ça en fait aussi. J'adapte aussi et il y a aussi, alors il y a ça, merde. Il y a ça et il y a aussi le fait que YouTube entre-temps a beaucoup bougé l'algo depuis toutes ces dernières années et aujourd'hui comme je vous ai déjà expliqué en fait c'est un peu le serpent, c'est un peu cercle vertueux ou cercle vicieux ou cercle vertueux. Soit, si ta vidéo marche, la prochaine vidéo va y avoir pas mal de notifs qui vont être envoyés, etc. Si ta vidéo elle marche pas, la vidéo d'après elle va être moins mise en avant. Alors ça n'empêche pas qu'elle peut marcher, mais genre ça va être plus sur du long terme et tout, ça va pas être au départ de la vidéo. Et donc YouTube aujourd'hui tend, là où une époque il nous disait faites plein de contenu et tout, et je pouvais faire du contenu divers et varié, bah aujourd'hui c'est plus vrai du tout. Parce que aujourd'hui, déjà si tu sors plein de vidéos, YouTube il bloque les notifs. Donc déjà il te dit arrêtez de faire plein de vidéos.
Et ensuite, il te pousse à faire un truc bien précis. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. C'est pour ça que de plus en plus, vous voyez des chaînes émerger qui sont des chaînes vraiment spécialisées dans un truc, quoi. Et je sais plus ce que je disais, mais bref, voilà, il faut s'adapter aussi à la plateforme, quoi, tu vois. Donc voilà. Je voulais dire autre chose, mais je sais plus. Après, ce qui n'empêche pas, voilà, que quand même que je m'éclate à faire d'autres jeux et tout, notamment, bah, notamment sur Twitch. Ça n'empêche pas, hein. Moi, ouais, ma situation actuelle me va très 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 bien, hein, honnêtement. D'où l'intérêt de se développer sur Twitch. Oui, après, comme on l'a déjà dit, on se développera pas sur Twitch. Ça fait des années qu'on est sur Twitch, notre nombre de viewers, il est établi. On a des gens qui viennent plus ou moins en fonction du jeu, du machin, et ça me va très bien, j'ai ma commu sur Twitch. Tant que c'est stable, c'est ok. Mais moi, la situation me va très très bien, vous savez. Ma chaîne actuellement, je suis très heureux, hein. Vraiment, elle marche très bien et tout pour une chaîne de ce type-là, dans ce... C'est quoi, c'est un boss? Pour une chaîne de ce type-là et pour... Et dans ce... De cet âge-là, encore une fois, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui marchent, hein. Franchement, dans le gaming, bah, citez-moi une chaîne... À part JDG, citez-moi une chaîne dans le gaming qui est encore là, plus vieille que moi. Bah, il y en a pas. Globalement, il y en a pas. Donc, en vrai, je suis quand même assez content. Putain, la vache! Si, ou en kill. C'est pas pareil. Ou en kill, ils ont pas vraiment démarré en même temps. Et ils ont pas du tout percé à l'époque où moi je vous parle. Alors... Plutôt, reformulons, une chaîne qui a marché depuis aussi longtemps que la mienne. Qui s'est lancée et qui a explosé tout de suite, on va dire. Pas un truc qui a explosé sur le tard. Bob Lennon. Bah non, Bob Lennon, c'est après moi. On pourrait dire Bob en soi. Oui, mais Bob, c'est après. Bob, c'est après. Bob, c'est un an après. Et oui, Bob continue à marcher. Tout comme un Hypierre qui s'est lancé 2 ans après moi continue un peu à marcher aussi, machin. On est quelques-uns, hein, c'est pas la question. Mais sinon, citez-moi. Y a pas. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Je connais le sujet par cœur, hein, donc vous arriverez pas à m'avoir sur ça. Hein. Genre, je sais très bien comment fonctionne l'algo, l'état, la chaîne, etc. Donc, non. Hein. Donc tout ça pour dire, moi je suis très très content de comment va la chaîne. Je trouve qu'en ce moment elle fait des bonnes stats. Franchement là on a fait, depuis le début d'année, elle fait des grosses stats la chaîne, hein. Donc, je suis très content. Je déteste ce pouvoir. Ce pouvoir est nul à chier. Ouais, ouais. Je demande de quand date Gus et Porto exactement. Et ils font encore des vidéos, Gus et Porto? D'une fois que j'étais allé voir, ils faisaient plus rien. Ah, peut-être qu'ils ont repris, je sais pas. T'as des gens aussi qui ont fait des grosses pauses, des machins. Et Gus et Porto, je crois, ils s'étaient lancés quelques mois après moi, je crois. Mais ouais. Ah bon voilà quoi, je vais pas vous faire la liste de tous les gens qui ont arrêté, Fanta, Bilou, Zelvac, Free, Léo, Unster, Elarcis, juste dans la branche gaming, enfin juste dans la branche Minecraft, hein, évidemment, alors vous imaginez bien, sinon Wartek, Diablo X9, bon, monsieur V12 qui fait quelques trucs encore de temps en temps, mais... Donc bon. Gizmode, DigiDix, enfin bref, on peut les citer, hein. Tous les gens de cette époque, hein. Donc en vrai, moi je suis très content que ma chaîne elle soit toujours là, et en plus dans cet état à faire encore... Des stats qui sont très honorables. Vous vous rendez pas compte, mais d'un point de vue, si on parle d'un point de vue purement chiffre, ma chaîne, d'un point de vue chiffre financier pour la société, ma chaîne elle tourne très bien en ce moment. D'ailleurs, l'année dernière, on a fait un meilleur mois, on a fait une meilleure année que l'année d'avant, d'un point de vue purement stats. Donc elle va bien. Hein. Merci Gallifrey. Pour moi, c'est une petite fierté de travailler avec toi, même si c'est de loin. T'as un mastodonte de YouTube Gaming FR, avec toujours autant de projets. Pour moi, c'est un véritable bonheur. C'est gentil, merci beaucoup. Je considère pas non plus ça, faut pas exagérer. Mais par contre, qu'on a participé à notre échelle à former ce qu'est le YouTube d'aujourd'hui, oui, bien sûr.
Oh putain, sa mère. Squeezie, t'arrives après toi? Mais oui. Mais les mecs, vous connaissez mon histoire ou pas? Genre, vous me citez des mecs, ils ont tous démarré après moi. Vous connaissez mon histoire ou pas? Je suis sur internet depuis 2006 et sur YouTube depuis 2000... Officiellement 2011, mais en réalité même 2010, quoi. Donc, quand même, les mecs. Pourquoi vous me sortez des gens? Bien sûr que Squeezie est arrivé après nous. Enfin. C'est triste que vous connaissiez même pas mon histoire. Pour certains, quand même. Moi, je trouve ça vexant, un peu. Terrible. J'en suis fier de mon histoire. Hop. Oula. Hop. Après, arriver avant toi, c'est compliqué car t'arrivais très tôt. Bien sûr. Bah, c'est pour ça, il n'y en a pas 50. Hein. Avant moi, dans les gens que vous connaissez, il y avait Monsieur le V12, Diablo X9, Bismode, Fanta. Et JDG. Dans le gaming, c'est tout. Et là-dedans, bah, il y en a plus qu'un qui fait des vidéos. C'est Bob. Non, c'est Bob. C'est même pas. Bah, non, il y en a plus qu'un, c'est Monsieur le V12. Parce que Fanta a arrêté, donc indirectement Bob continue, mais Bob est arrivé après sur la chaîne de Fanta. Donc, je sais pas si on peut vraiment compter ça. Gotaga, c'est après. Et Gotaga, c'est un peu particulier parce qu'il était connu du milieu du gaming. Mais dans l'e-sport. Waouh, comment je l'ai esquivé celui-là? Le let's play sur Majora's Mask prenait du long de ouf. Hop là. Yep. Peut-être une question d'argent également. Produire une vidéo sur Actu PS5, ça coûte et pas beaucoup de vues. Pour rentabiliser. C'est pas indiscret, à partir de quand une vidéo devient rentable? Bah, une vidéo Actu, tu veux dire? À partir de 1€. Vu que je fais moi les vidéos Actu, je fais moi-même les montages et les miniatures. Donc à partir de 1€. Donc c'est pas une question d'argent, c'est vraiment une question d'algo, hein. C'est vraiment une question d'algo, c'est que comme là la chaîne par exemple, tu vois, elle est sur une bonne dynamique et tout en termes de stats, j'ai pas envie, tu vois, regarde, je vais vous prendre un exemple très concret. La chaîne, elle a mis du temps à se relever du let's play Minish Cap, hein, par exemple, hein. Minish Cap, c'était sympathique et tout, mais ça a relativement pas marché, on va dire, par rapport aux autres vidéos de la chaîne. Et ben si vous regardez, derrière, mes vidéos qui ont suivi, elles ont eu du mal à suivre. J'ai fait une ou deux vidéos actu pendant le let's play Minish Cap, elles ont pas marché. Derrière, elles ont mis du temps à remonter en vue et tout. Parce que, je vous dis, le let's play Minish Cap, l'algo à cause du let's play Minish Cap a pénalisé la chaîne. C'est comme ça. C'est une vidéo qui bide, la chaîne se fait recaler par l'algo, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'après, derrière, ils vont se dire, ah ok, celle-là, elle a pas trop marché, donc on va envoyer moins de vagues de notifs. Ce qui veut pas dire qu'une vidéo peut pas marcher, mais sur le long terme, c'est-à-dire c'est vous qui, en passant sur la chaîne, vous allez vous dire, ah tiens, cette vidéo m'intéresse, je vais cliquer machin. Mais elle va moins être recommandée par YouTube. On a fini? Non. Si? On est en blabla là, ouais. Pourquoi ne pas faire les vidéos actu pas Nintendo sur la chaîne secondaire ou faire des shorts dessus? Ouais, non, mais on peut. Mais il y a des trucs. Bah, les shorts, non, les shorts, ça dépend des gens, mais moi j'ai remarqué quand j'ai fait des shorts sur la chaîne principale, les gens se sont désabonnés. Il y a eu des vagues de désabonnements parce que, genre, je suis pas une chaîne de shorts de base, donc voilà, donc j'en mets très très peu. Après, oui, il faudrait que je fasse de toute façon, sans la déjà dit, des contenus uniques pour TikTok et donc la chaîne de shorts, mais pas forcément le temps de tout faire, quoi. J'ai pas le temps de faire à la fois les vidéos, à la fois les lives, à la fois les. Compliqué, hein. Puis à la fois avoir une vie à côté. Oh, le boss! Alors c'est sûr c'est pas le dernier boss mais... Concentration. Enfin bon, c'est un sujet super intéressant, on pourra en parler plein de fois hein, mais... Tu délègues un peu pour jouer à TikTok, je le fais déjà. Je le fais déjà les mecs hein. On le fait déjà.
Alors, concentrons-nous. Twitch, je vais sortir un outil pour faciliter la création de clips en vidéo verticale. Oh, Twitch. Alors. Ah merde. J'aurais dû rester là-bas. Ça va être compliqué, on va voir, mais je pense qu'il va falloir le try 2-3 fois. Dommage que là on puisse pas. Il est à la moitié de sa vie. Ah! Merde, j'ai plus mon... Désolé, je peux pas trop suivre les messages. Putain, les mecs! Ça a duré longtemps? Bon, déjà, faut qu'on prenne une autre arme pour commencer. Non, en fait, non, non, je pense que. Ah, si, peut-être on peut tester les bombes. On va tester les bombes. On va tester, on verra. Non, mais c'est un sujet intéressant, hein. J'arrive à les buter. Je suis bien là, je suis calé entre deux. Zadar pour bloquer. Ouais, pas sûr. Ah putain, ça recommence ça. Ok. Je pense pas que ce soit fini, mais... C'est pas fini. Ce n'est pas fini, je préviens. Voilà. Oh Kirby, tu mérites vraiment ta réputation de héros. Tu m'as apporté une aide inestimable pour triompher de Landia. Enfin, elle est à moi. Quelle surprise! Je suis étonné. La source du pouvoir infini, la couronne suprême. C'est un méchant. Mais oui, non mais les mecs, c'était évident! Mais comment vous aviez pas pu le capter quand même? C'était sûr que c'était un méchant! Bien sûr que oui! Depuis le début, je n'avais pas d'autre but que d'obtenir cette couronne.
En plus, moi, ça m'a spoil dans le chat. À un moment donné, quelqu'un a dit « Ah ouais, c'est vraiment un... Maglore, je sais pas quoi, je sais plus son nom. C'est vraiment un super boss et tout. » J'étais en mode « Bon, très bien. Ça me confirme ce que je pense. » Quelle surprise. Putain, je suis autant étonné que... Je suis autant étonné que pour Pania, là. J'ai un blood twist aussi incroyable que Pania, je te jure. Il a une tête de méchant. Bah oui. Le temps est venu pour ta planète. Pour l'univers tout entier de s'incliner devant mon pouvoir. Le jeu est bien. Le jeu est bien, mais... Voilà, ça... Je serais pas non plus en marqué comme Kirby le monde oublié, mais le jeu est très bien. Est-ce que du coup, il y a encore un monde ? Oh. Let's go. Ado de dragon. Le dragon blanc aux yeux bleus, on est parti! Pas du tout, mais je sais pas pourquoi il me fait un peu penser. Il me fait un peu penser. Dimension parallèle. Oh oui, d'accord, il y a carrément tout ça à faire! Ah non! Non, non, ok. Trop bien. Ça me rappelle toujours les jeux là, comme le jeu que j'avais avec mon père et tout. J'ai oublié le nom encore. On va relancer le son pour être bien. Petit dragon trop mignon. Ouais, style est le mini niveau, je suis d'accord. Faire contre ça, ok. Ok. Oh, la double. C'est trop stylé. Pas grave si on meurt contre Magolor, c'est pas grave. Alors, ok là. Pourquoi est-ce que... Mais s'il était capable d'un tel pouvoir... Ah non, parce qu'il lui fallait la couronne pour faire ça. Ok.
Ok, je peux le toucher. Après, je sais qu'il y aura une autre phase, mais... Ah putain, il va me... Ah, il va me fumer comme ça. C'est bon. Dites-moi que vous me soignez, par contre, j'espère. Je suis pas sûr. Ah. Ok. Let's go. Ouais, ça va, c'est assez tranquille. C'est pas très dur. Ok. Let's go. Ils attaquent! À l'assaut! Oh non, on est en train de perdre tout le monde. Tout le monde tombe sur la place. Et là, s'il y a une... est-ce qu'il y a une dernière planète ou est-ce que c'est le boss? Ok. Quel est mon meilleur objet? Moi, je dirais soit lui. Soit lui. On va tenter d'abord avec ça. On va d'abord tenter avec ça, on verra bien. Alors, bon là, on va mourir, hein. Là, il va falloir tester plusieurs trucs, hein. Je rappelle que oui, effectivement, des fois, il y a des gens, ils le font tout seuls, ça. Enfin, à plusieurs, pardon. Midlife. Oh, j'étais en plein milieu. J'ai plus de pouvoir. Ah ouais, d'accord, alors ça. Ok. Comment savoir où ça sort ? Ah. Oh, c'est pas grave. Au moins, on sait qu'il faut pas aller au milieu. On a fait cette erreur là d'aller au milieu, ça nous a tout fait perdre. Donc ça, en vrai, pour une première run, on l'a bien géré. Recommençons. Hop là.
et midlife. Comment j'évite d'aller là? Donc là, il va falloir choper un pouvoir. Voilà. Ah, il passe à peine, hein. Ok. Ça va le faire, ça va le faire. C'est bon, c'est bon, c'est win. À moins qu'il y ait encore une phase derrière. Ah, il peut faire ça, d'accord. Ça, c'était pas prévu. Ok. C'est quoi déjà ça? Ok. Reste là. Ok. Ah. Voilà. C'est bon. C'est bon. Ah non, c'est pas fini. Là, c'est bon. Ciao. Ouais, joystick un peu fumé. Bah voilà. Tu mords, donc il était pas très long, mais en vrai, ça nous aura fait la petite journée, c'était bien. Et le boss était stylé. Peut-être pas fini, ouais, je sais pas, on verra. Ah. Ah, sauf que moi je suis pas mis. Ah, sauf que moi je suis pas soigné. Ah. C'est plaisir ça de pas être soigné, merci. Les frérots sans vie. On est mort. J'ai le pire pouvoir quoi. Ouais, j'ai pas eu le temps. Ok, alors la question c'est d'où on reprend quoi. Et je pense qu'on reprend depuis le début. Non? Et oui. Ah putain, fais chier.
Ça, c'est galère parce qu'il me laisse pas de vie. Ah non! Oh, ça va! Oh, ça va, ça va! Cette attaque, elle est fumée parce qu'elle lui fait déjà très mal. Et en plus, elle contre les siennes. Allez, ça. Genre ça, regardez. Il a beau m'attaquer, ça les pète. Ok. Allez, à moitié. Fait très Vaati un peu. Hein. Dans l'idée, je trouve. Très Vaati-like. Merci Flumide pour les 9 mois, merci beaucoup. C'est bon. Voilà. Est-ce que c'est fini ou est-ce qu'il y a encore une phase? On va voir. Je pense que là, globalement, on est pas mal. Après, le nouveau pouvoir est quand même fumé. Hein. Le robot, c'est fumé de ouf. Hein. Je pense que sans le robot, on galère plus. Hein. En vrai. Mais bon, le pouvoir est dispo, donc prenons-le. J'ai envie de dire. Doudou. Sauvegarde. Ouais, le jeu est fini, je pense. Les petits dragons sont trop mignons. Non, bonjour, je viens de me faire un marathon de ton let's play Zelda qui ressort de l'époque. Quel bang. Merci Screamups. C'est gentil. Est-ce que c'est le générique comme ça? Non, pas encore. C'était sûr. Non, je peux pas passer, surtout pas. On garde le bateau quand même. On garde le bateau. Ah non, tout le monde repart dans sa dimension, ok. Non, les petits dinos! Les petits dragons là. Terrible. Tout est bien qui finit bien. Voilà. Ils vont pouvoir se refoutre sur la gueule entre eux. Maintenant. Ils vont pouvoir se refoutre sur la gueule entre eux. C'est beau. Ta page de générique ?
Eh ben, c'était très bien. Voilà. C'était très très bien. J'ai kiffé. J'ai kiffé. Alors au début, j'imaginais sur plusieurs jours, mais effectivement, au milieu de semaine, là, quand on s'est aperçu que le jeu était pas très long, on se dit qu'on pourrait se le faire en journée aujourd'hui, bah voilà. J'ai kiffé, franchement, plutôt sympa. Vraiment bien. Moi, je l'ai découvert. Efficace, simple, en fait. Simple, efficace, voilà, c'est toujours le principe, quoi. C'est rien de transcendant, hein, mais il est très bien. Il fait le taf. Franchement, franchement très très bien, j'ai kiffé. On le fera pas à 100%, très clairement, parce qu'il y a plein d'autres trucs qu'il faut qu'on fasse et tout, mais voilà, ça aura fait une expérience un peu sympa, franchement, très bien. Très bien. Donc ouais. Est-ce qu'on peut passer le générique? Est-ce qu'il y a un truc derrière ou quoi?